le monde. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Vous pouvez compter sur la délégation d'Haïti durant votre... Actualité concernant pays d'Haïti, résolution organisation État américain OEA, jeudi 3 mars 2024, là, en faveur soutien pour une transition démocratique en Haïti. Toujours dans le pays d'Haïti, violence gangue a continué après rapport des Nations Unies qui fait qu'on est que 1500 mounta mouri pendant 3 premiers mois 2024. Là. Et puis dans l'international, il y a un gros tremblement de terre avec une puissance 7,2, Sekou Taïwan qui provoque un paquet d'effondrements, bilan au moins 9 mounta mouri avec plus passé 800 autres blessés. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore. Bonjour, bonsoir à tout le monde de Madame Manan qui l'est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Yo l'autre fois qu'on a dit bienvenue sur Anela pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour côté nous venir à édition La Voix de l'Amérique pour dans édition journal ça. Mais quelque l'autre grand point qui a dominé actualité après La Voix de l'Amérique là faut qu'on est Pasteur Malory fait gros déclaration côté le fini avec un pays politicien dans un prêche qu'il même lit a fait dans qui sont passé là yo. D'après sa directeur général bibliothèque là le fait qu'on est et bien nèg exam yo pillé plusieurs matériel qui bien lou en dedans l'église de l'autre côté n'a faut qu'on est pendant un côté qui était gain qui t'a organisé hier mardi 2 avril là là ambassade pays les États-Unis en pays d'Haïti avec directeur général de la police là et bien en pile parole te parler n'a venir avec tout point ça au ministre affaires étrangères haïtien Jean-Victor Genèse blâmé sévèrement Dominique Dupuy ambassadeur permanent Haïti dans UNESCO n'a porté pour tout point ça yo l'autre côté tout n'a faut qu'on est et bien un gros parler en pile qui fait là dans pays Sénégal après président sénégalais elle te présenter des madame ni même ni gagner comme des premières dames rete juste dans faire vidéo nous voir tout détail de des madame ça qui ça vous le dit et sa pays Sénégal lui-même digen pour louer avec dossier yon ek ki mari avec plusieurs femmes et bien pour ça y a pile l'autre qui nous pote pour dans édition nouvelle ça mais avant même nous rentrer dans point ça yo pas oublier abonner avec channel l'activer la cloche notification à mettre sur tout pour pas rater aucun vidéo quitter un like sous vidéo n'a pas la go dans la voix de l'Amérique n'a tourner pour développer pour jodi a dans rendez-vous info jodi a gagnent OEA qui prend une résolution qui pour soutenir transition démocratique dans pays d'Haïti qui a fait face à une grosse crise. Et gentil Augustin Junior, tu suivi séance là pour nous dans l'organisation État américain. Au moment où je vous parle, la République d'Haïti fait encore face à une situation catastrophique. Jeudi mercredi 3 avril 2024, le Conseil permanent organisation État américain est réuni sous un projet de résolution soutien pour une transition démocratique en Haïti. Représentant adjoint Haïti dans OEA, Gandhi Thomas, a fait état crise multidimensionnelle Haïti a fait face là, qui vient plus grave. Avant l'été fini avec l'intervention Lyon, Gandhi Thomas a continué pour dire. Monsieur le Président, la communauté internationale, cette grande famille planétaire, à la capacité d'aider Haïti, un État membre éprouvé. Elle doit agir promptement. Elle ne peut, ne doit pas rester impassible face à la tragédie humaine qui se joue en Haïti. Devant cette auguste assemblée, dans cette salle qui porte le nom du grand libérateur Simon Bolivar, je sollicite solennellement le bénéfice de l'extrême urgence pour mon pays. Le rétablissement de la sécurité demeure la plus grande priorité. Le déploiement de la mission multilatérale d'appui à la sécurité, autorisée par la résolution 2699 de l'ONU, est ardemment recommandé pour permettre aux autorités haïtiennes et à la police nationale d'Haïti de démanteler les gangs armés, de pacifier le pays et de rétablir les institutions démocratiques. Engagement communauté internationale là pour supporter Haïti dans effort pour réaliser stabilité, sécurité et gouvernance démocratique, représentant américain OEA te parlé pour dire. Monsieur le Président, concernant démission Premier ministre Ariel Henry, les États-Unis reconnaissent complexité situation politique là en Haïti. Nous encourageons tout le monde qui a intérêt yo, pour yo respecter résultat accord avec déclaration qui souhaite passer yo. Inclut engagement Premier ministre Henry te prend pour le démissionner une fois Conseil présidentiel transition te établi formellement et puis yo te nommé un Premier ministre provisoire. États-Unis paraît pour supporter Haïti dans phase critique ça, dans transition politique ça. Yon fois encore, nous encourager toute partie yo pour yo engager yo yon façon constructive à coopération dans processus ça. Représentant République Dominicaine te parlé comme ça. Señor Presidente, la collaboration Monsieur Président, collaboration et engagement actif communauté internationale là a continué essentiel pour contribuer dans stabilité, la paix et sécurité en Haïti. Peuple haïtien pas qu'attendre l'autre jour pour recevoir aide et support li besoin. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole.
Merci, gentil Augustin Junior. Donc, c'est dans la session ça, aujourd'hui, que Conseil permanent, organisation État américain OEA, adopté résolution ça qui visait soutenir Haïti à travers transition démocratique ça, qui a fait face à une crise pluridimensionnelle. Et puis, avant de continuer avec l'actualité dans le pays d'Haïti, nous prenons un gros point dans l'actualité internationale là, qui c'est un gros tremblement de terre avec une puissance 7,2 qui secoue Taïwan bonheur. Jeudi, mercredi, nous gagnons un bilan avec Valérie Saint-Louis. Au moins 9 personnes mouri à plus passé 963 blessés. Jeudi mercredi 3 avril, dans un tremblement de terre qui frappait pays Taïwan, dommagé plusieurs douzaines de buildings et qui poussait autorité au voyage avertissement pour dire que un tsunami t'a arrivé prolongé et affecté pays Japon et pays Philippines. Autorité ont dit que tremblement de terre ça qui souquait l'île Taïwan, c'est un goudou qui pi fort qui jamais frappé pays a depuis 25 l'année. Ils ont averti pour dire que t'a gagné plus tremblement de terre dans jour qu'à venir. Wu Chengfu, directeur centre séismologie administration centrale météo Taipei a dit que goudou a été passé tout près terre et puis pas de fond. Moun te ka senti sou kousyon nan tout pays Taïwan, exilé qui sous la même pays. Règlement strict sous construction kay, building ak infrastructure nan pays, ensemble avec conscience publique citoyen tout partout, semblait ta empêcher yon gros catastrophe rivé sous île Taïwan nan, qui gen tendance gen tremblement de terre et qui situé tout près jonction des plaques tectoniques. Wu Chengfu, directeur centre séismologie, a te dit que c'est pi gros tremblement de terre pour époque ça, depuis que yon goudou qui te mesuré 7,6 te frappé pays nan mois septembre nan année 1999. Lè sa, li te touye environ 2400 moun nan désastre matériel qui pi mortel nan histoire pays Taïwan. Tremblement de terre qui passait jeudi mercredi a qui t'est mesuré 7.4 magnitude t'est frappé juste avant 8h du matin l'est local et service géologique États-Unis USGS détecté épicentre à 18 km dans sud ville Wulan dans Taïwan avec une profondeur de 34,8 km. Parmi au groupe 7 monde qui t'a voyagé bien bonheur dans matin à travers un timon qui entourait ville là, trois nan yo t'est joindre dans moyo crasé en bas un gros roche que goudou a t'est lagué à terre selon sa officiel yo t'est dit. Yo l'autre bord chauffeur un camion avec chauffeur une machine mouri les un gros roche t'est saute tombé sous machine yo pendant que l'autre garçon lui-même mouri en dedans chantier une mine. Agence nationale pompier t'est dit que tout calme ça arrivé dans zone les William. Médias sociaux ont publié et partagé en pile vidéo avec images qui t'a sorti tout partout dans le pays avec portrait building qui t'a balancé pendant que Goudou t'a frappé. Station télévision locale a été montré images dramatiques du building plusieurs étages dans la ville Yulan. À l'autre côté qui penchait après tremblement de terre t'est passé avec images ou dépôt dans la zone New Taipei City qui t'est écrasé. Magistrat Villa, Hu Yuhi, t'a dit que y a plus passé 50 personnes qui t'est sauvé avec succès en bas béton building écrasé. Madame Sa, si vous résidez dans la ville New Taipei, lui dit t'es tremblé en pile décoration la caillou t'est tombé à terre. Mais mon yo t'es en sécurité, nous dégagons en pile. Chance. C'est pas que c'était un monde qui était tombé sous nous. Tout bagay est tombé. Et quand ça très ancien, à peu près 50 ou 60 années depuis qu'on construit. L'autre caillou côté nous, il y a 20 années depuis qu'on construit. Nous sommes premier monde qui habitait dans caillou et nous venu rénover. Chaîne télévision t'a montré secouristes travaillent avec équipement qui a nettoyé wash sur route principale là dans Yulan. Une ville côtière qui gagne un gros monde qui gagne environ 100 000 monde qui habitait là et qui était coupé à Crest pays à cause glissement terrain. Route principale qui mène dans ville là passé dans une série tunnel en bas terre. L'autorité a dit que en pile monde avec machine bloqué jusqu'à présent dedans quelques tunnels. Sayo, qui gagne plusieurs kilomètres longueur. Président pays Taïwan, qui c'est Madame Tsai Ing-wen, demandé pour l'agence gouvernement local, ensemble avec l'agence centrale, coordonner GFOYO pour porter population en secours et lui ajouter que militaires pour la base support même tout. Chen Shenzhen, premier ministre Taïwan, nan te dit, dans région Wulian nan, t'es déjà gen rapport sous kay qui tombé sous route qui dommage ak en pile machine que wash qui tombé frappé. Dans région Taipei, a service train à gros vitesse sur 6 pan. Jusqu'à présent, n'a pas parlé là. Bilan goudou de magnitude 7.4 qui frappé pays Taïwan, fait 9 moun mouri à 963 moun qui blessé. Pouvez ou à créole. Valerio Saint-Louis, depuis New York. N'a noté que gen l'autre chiffre encore capté sorti sous tragédie ça sous tremblement de terre ça qui frappé Taïwan bonne matin. N'a pas tourné dans actualité concernant pays d'Haïti. Il y a un nouveau rapport Nations Unies publié dit 53 000 haïtiens couri quitter la caillou à cause zak violence gang yo. Sandra Lemaire gen détail. Plus passé 53 000 moun couri quitter capitale Haïti nan moins passé 3 semaines pendant zak violence gang qui la cause en pile moun perdi la vie a continuer nan pays a. Chiffre ça c'est d'après un nouveau rapport Nations Unies publié. Majorité moun kap couri yo allé nan région rurale sud pays d'Haïti. Volker Turk c'est haut commissaire Nations Unies pour droit moun. The situation in Haïti is cataclysmic. Liti situation Haïti, c'est une catastrophe. Corruption, impunité et mauvaise gouvernance mettez sous zak violence gang yo qui a continué fin miner état de droit et puis presque craser institution l'état yo. Question tacler insécurité a doué une priorité pour protéger population et puis empêcher plus souffrance chrétien vivant. Donné ça yo inquiétant d'après officiel Nations Unies yo, parce que région sud pays a pas gagné infrastructure suffisant ou soit ressources pour gérer moun sa yo. Déjà gen plus passé 116 000 haïtiens qui couri quitter Port-au-Prince. Pendant ce temps haïtiens qui vivent dans état Floride exprimé kasote yo pour famille yo qui vivent en Haïti. Kosi Joseph rete Boynton Beach.
This is happening in Port-au-Prince. The rest of the country is technically held hostage. Les dépendants tout bagage ça y va passer Port-au-Prince reste pays à c'est un otage, pas vrai? Faut qu'ils joignent moyen pour sortir en bas dépendant ça que ils gagnent sous Port-au-Prince. Madame aussi dit li gen en pile qui a sauté pour famille qui toujours en Haïti. Right now, for example, I have family in Port-au-Prince who are basically prisoners in their own home. Lizi Kounia, par exemple, moi, j'ai une famille Port-au-Prince qui vit tant que prisonnier la caillou. Ils étaient dans une zone quoi de bouquet, côté gang fin pour contrôle net. Et autant que otage dans propre caillou. Ils ont pas qu'à sortir parce qu'ils ont pas senti en sécurité. Qui est-ce qui veut vivre dans une situation comme ça? Donc, ça casse que tout le monde, moi, quoi, presque tout Haïtien, qui doit vivre en dedans ou en dehors Haïti. Ça a un impact sur nous. C'est un bagage qui traumatise nous. C'est une situation choquante. Dernier exode-là a commencé un petit temps après gang puissant yo, a lancé une série d'attaques sur institutions gouvernement dans fin mois de février. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et pendant ce temps, gagné un impasse dans le pays d'Haïti, surtout concernant le conseil présidentiel transition qui toujours pour le cas installé, bien que nouvelle yo fait connaître que jodi a cette étape jou pour yo installer le gang pile question tout cas poser dans pile nouvelle cap sorti en dans gouvernement haïtien par rapport à que conseil présidentiel transition nous gain sous place n'importe prince Yves Manuel. Accord en divers secteurs qui représentaient dans le Conseil présidentiel de transition dans le pays d'Haïti, finalisé mardi soir, selon ça, plusieurs sources concordantes rapportées. Une source qui proche négociation qui parlait avec VOA Creole fait qu'on est accord t'a dû signer jeudi mercredi entre protagonistes. Après ce document, ça l'a transféré tout de suite à CARICOM pour suite nécessaire. Selon même source là qui pas de nom cité, il y a plusieurs fonctionnaires dans le Conseil ministre gouvernement démissionnaire qui a barré la route avec approbation Conseil présidentiel. Certains ministres posaient conditions pour signer un document tant qu'ils jouent un poste dans la diplomatie. VOA Creole n'a souci pour balancer information, contacter en vain plusieurs ministres dans le gouvernement démissionnaire. Semaine ça, n'a souligné allié pouvoir écrit une correspondance à CARICOM pour remettre en question l'idée pour créer un conseil présidentiel. Selon initiateur de Massa, Tako Maître Michel et Edmond Suplice Bozil, c'est dans la cassation pour choisir président une façon pour venir diriger prochaine transition. Bon côté pal, gouvernement démissionnaire Dr Ariel Henry a pas dirigé et qui te promet la démissionner dès que conseil présidentiel transition officialisé prend engagement lundi qui saute passé là pour travailler pour un transfert pacifique responsabilité yo ak membre conseil présidentiel là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Pendant ce temps, tendance yo a continué défiler dans pays d'Haïti, gain secteur qui pour aller dans cour de cassation pour joindre un juge qui était régulièrement nommé. Pendant ce temps, gagné tout question conseil présidentiel transition. C'est comme ça, un ancien sénateur, professeur Patrice Dumont, lui-même, il plaidait en faveur poursuite de mise en place conseil présidentiel transition au lieu pour y aller dans la cassation. Où est-ce que c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince? Il y a un point qui fait objet gros débat dans la société haïtienne. Non? C'est question qui a rapport avec soit mise en place et un conseil présidentiel transition, avec installation et un juge coup cassation pour assurer la présidence d'Haïti dans le cadre de gestion transition démocratique en pile secteur à pourner pour résoudre crise politique là. Ancien sénateur Patrice Dumont réagit sur ce sujet ça. Il dit que le conseil présidentiel là a bon pour le pays d'Haïti. Il explique pour qui ça. Et sept monde, comment vous ne savez pas capable d'entendre, sept présidents, pas bien sept présidents. Il dit que le conseil présidentiel a gagné un président. Le conseil présidentiel, ça veut dire que et six monde et deux observateurs, il y a des conseillers vraiment très proches du président qui a gagné plus de poids que un ministre. Oui. C'est une formule qui est adaptée parce que lui fait un large consensus. Secteur qui fasse l'un avec l'autre, eh bien, ils sont obligés de travailler ensemble parce que nous, qui avons perdu la vie, nous, qui avons perdu tout ça, le pays déchiré, ça, pays en lambeau, ça, il a besoin que les petits pays se suspendent vous mettre entre eux. C'est peut-être ça, c'est à bras le corps pour aborder la question pour que nous résolvions le pays. Ancien sénateur Patrice Dumont fait connaître par rapport à problèmes sociopolitiques et économiques qui engendrent avec insécurité malouxa, soit que la cassation n'est pas bon pour le pays. Je ne comprends pas que l'affaire cassation, la proposition de cassation, n'est pas tombée pour ne pas être adaptée à la conjoncture sanguine. Parce que pas oublier que la cassation, c'est 4 mois là pour le faire. Son juge lié, juge n'est pas là pour faire politique. Il y a là, constitution, que c'est 87 là. Sans le paragraphe adjectif qualificatif d'elle, Amandéa, que c'est Amandéa, dans Amandéa, il va prévoir juge pour remplacer. C'est conseil des ministres. N'a pas pour suivre, interview ancien sénateur Patrice Dumont, dans toute intégralité,
sur VOA Creole. Renat Toussaint pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci Renat Toussaint ou sur VOA Creole. Ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Nous pourrons aller tout à l'heure dans la région Moyen-Orient. Mais juste avant, un petit coup de pause. Merci d'être toujours branché VOA Creole alors que nous présentons rendez-vous info. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté militaire israélien, l'ouvrion enquête sous incident côté soldats touillés, 7 travailleurs organisation cuisine centrale mondiale dans le territoire Gaza. Jean-Robert Philippe, c'est un incident qui passe sans conséquence puisque l'organisation suspend le travail dans le territoire Gaza. Par la veine. Eh bien, bon retour, Jacqueline. Merci. Merci de passer une bonne vacance. Et effectivement, j'en dis à et responsable organisation cuisine centrale mondiale là, avait déjà connu qu'il y a beaucoup de plans pour commencer le travail. Alors, des questions, ça a fait le tour. Après que l'autorité israélienne reconnaît c'est ton erreur, et il y a une mauvaise identification que soldats ou une force israélienne fait, qui fait que lancer attaque ça, et que sous 3 machines qui dégainent travailleurs et organisation humanitaire. Cependant, et responsable organisation lui-même, Andres, et bien lui-même, lui dit que Israël n'a aucune excuse à faire parler de questions qui étaient faites dans la nuit, il était bien au courant que il était déplacé dans le dépôt manger puis il était allé dans la zone. Donc il dit qu'il n'y a aucune excuse sur ça. Dans le même moment, la communauté internationale a tout condamné ce qui passé. Par rapport à la sécurité nationale Maison-Blanche, John Kirby déclare que les États-Unis indignés après une attaque force israélienne ont tué 7 travailleurs organisation charité cuisine centrale mondiale. Par rapport à la demande d'Israël pour faire plus pour protéger les civils avec le travail humanitaire. Organisation humanitaire qui est basée dans Washington nourrit les gens qui ont souffert à cause des désastres naturels ou bien la guerre. Responsable de suspendre l'opération dans le territoire Gaza après attaque aérienne a été frappé convoi qui a quitté un dépôt manger. Un officiel américain confirmé, un citoyen canadien américain, était parmi 7 personnes qui mourirent. John Kirby déclarait: We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday. Apprendre à travers l'attaque israélienne, une quantité de travail civil, humanité, cuisine, etc. Organisation n'a pas jamais suspendu travail pour permettre manger, arriver, joindre les gens qui gangrènent dans Gaza à l'autre côté sur la planète là. Ministre de formation de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré: Président Joe Biden a parlé avec chef cuisine centrale mondiale là, José Andrés. The president conveyed he is grieving with the entire world kitchen. World Central Kitchen family. Président Biden a partagé peine ni avec toute famille cuisine centrale mondiale là. Président senti il était important pour reconnaître gros contribution cuisine centrale portée pour population Gaza à population mondiale là. Président ba assurance il va transmettre un message clair par gouvernement israélien que travail humanitaire de protéger. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était accompagné ministre affaires étrangères français à dans ville Paris qualifié travail humanitaire tant qu'un héros qui doit protéger. Monsieur Blinken dit il parlait directement avec gouvernement israélien sur incident en particulier ça. Nous demandons une enquête sérieuse sans passe-pour qui pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme. Ça fait un français Stéphane Séjourné, lui-même tout est condamné à l'attaque force israélienne faite sous convoi humanitaire. Mardi 2 avril, là, militaire israélien qui exprime tristesse concernant l'attaque aérienne a déclaré autorité a révisé incident dans un niveau qui est plus élevé. Cependant, les médias américains rapportent que force israélienne semble être mal identifier qu'on voit si ça fait incident en passé. Expression que vous déclarez, Timoun et famille palestinienne pour faire face à la famine et attaque ça fait une plus grave toujours. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours sur le même dossier, dans une interview à Reuters, chef José Andrés, qui est fondateur World Food Kitchen, dit Israël cibler emploi Elio systématiquement. Sandra Le Maire gagne un détail sur l'interview ça. Chef José Andrés, fondateur ONG World Food Kitchen, qui gagne 7 employés qui mourir dans une frappe israélienne en Gaza, dit à l'agence nouvelle Reuters dans une interview mercredi, Israël ciblé ONG a systématiquement. We didn't have all the information, obviously, in the first minutes and hours, but very clear. The situation began. Monsieur dit, il était clair, là nous avons recevoir une image cadavre avec passeport dans l'hôpital là, qui confirmait que c'était employé nous. Nous connaissons, ça tout le monde connaît, que 7 employés, ensemble avec garde sécurité, 3 Britanniques, 3 employés internationaux, avec nous, Palestiniens, ils ont été ciblés systématiquement, machine par machine. 3 international crew plus 1 Palestinian, that they were targeted systematically, car by car.
Li di yo te atake premye machin nan. Nou toujou ap eseye ken plus informasyon sou sak pase premye machin nan exactement. Nou kwe yo te jwen mwayen chapè san e sauf paske yo te nan ou blindé. Yo te ka ale nan dezyem blindé a. Israel frape. Yo deplase ale nan yo troasyem blindé. Pendan se tan yo tap eseye rele pou mande sekou, men nan karo sak pase a, yo tap eseye mande IDF, Force Défense Israélienne, pou ki sa yap sible yo nan yo zon non kombat ke IDF contrôlé. Yo te konnen ekip nou te sou wout sa ak 3 machin, epi yo frape 3e machin nan e nou wè konsekans frap sa. 7 moun mouri. Men yo se 7 met sou plus ke 190 employé humanitè yo touye nan Gaza 6 mwa ki pase. José Andrés di li pou pou konnen si se 3 moun ke yo te sible, ke yo te kontinue eseye touye jiska sku tout moun te mouri, men li di evenman pase sou yo espas 1,8 kilomet, donk se pa pou ewa yo te fe. Li di yo te gen gwo afish, bien kolore, ki montre klèrman se machin ONG a, ki pou li menm signifiye ke yo te fe ekspre sible yo. Or no, this was over 1.5, 1.8 kilometers. If we were targeted this way, I need to understand that this was not vicious. Monsieur dit, m'a essayé de comprendre si c'était une attaque vicieuse, que c'est pas un monde qui pape souffrir conséquences, qui décide de tuer nous pour, m'a connaît, parce que moi publié un tweet qui critiquait sévèrement Netanyahu, m'a connaît. Bien entendu, c'est peut-être ça, nous besoin d'une enquête qui lutte, que IDF pas contrôlé. Ça me connaît, c'est que y'a ciblé nous, sans garder derrière, jusqu'à ce que tout le monde, n'en convoi, t'y mourir. We were targeted deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. États-Unis à communauté internationale la condamné attaque là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ministre défense là admettent responsabilité et puis promettent pour mener une enquête transparente sur attaque là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci d'être toujours été branché sur VOA Créole. N'a pas tourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Et nous parlons dans grand danse et plus précisément dans Jérémy Côté, partisan Guy Philippe, manifesté hier Madia dans l'idée pour continuer à réclamer Guy Philippe pour président et voyer jeter initiative CARICOM. Mackinson Charles, depuis Jérémy. Partisan ancien sénateur et grand danse Guy Philippe manifesté journée mardi 2 avril 2024 là dans ville Jérémy puis dit non à initiative responsable CARICOM ensemble avec divers secteurs prend pour mettre camper un conseil présidentiel qui gagne là-dedans 7 membres qui capable voter avec de l'autre observateur pendant yo fait qu'on est c'est Guy Philippe qui pouvait nous diriger vous allez vivre Guy Philippe que pays nous de l'OTAN États-Unis Canada France pour l'otage yo mettez nous en otage la femme passe d'Israël pille nous quand il y a nous c'est trop papa pas d'accord pour une décision pour nous. Petit pays. Tout le peuple haïtien déclare que c'est Guy Philippe qui veut. C'est Guy Philippe. Avant Guy Philippe, pas qu'il y ait un mouvement, je veux dire à Guy Philippe, venir. Gâteau à bon. Mais ça ne veut pas qu'il y ait l'autre pour une boule. Manifestant qui dit aurait été accroché à l'idée pour ancien sénateur et grand instant venir diriger tes pays, dit après être mobilisé si toutefois il y a une décision qui prend. Tout ok, nous pas mettre Guy Philippe dans le palais national, nous ne nous pas tromper. Restez maintenant, on ne va pas besoin de perdre du temps. Alors, l'ambiance de l'État. Ferroné, responsable dans CARICOM, déjà voyé par le premier ministre démissionnaire Ariel Henry, liste au monde divers secteurs et partis politiques choisis pour venir faire partie. Conseil présidentiel, 7 membres qui sont capables de voter à des observateurs pour conseil ministre capable de prendre une décision et arriver à publier conseil présidentiel si là, dans le journal officiel payant les moniteurs. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Merci Mackinson Charles, et c'est là pratiquement nous allons mettre fin dans le programme, mais pas déplacé.
Eh bien, avant d'aller, gros nouvelles concernant le pays d'Haïti, eh bien, c'est jeudi, mercredi 3 avril 2024, là, que Conseil permanent organisation État américain OEA a adopté résolution qui visait soutenir transition démocratique là dans le pays d'Haïti qui a fait face à une crise multidimensionnelle et qui a plusieurs représentants, plusieurs autres pays dans le membre et OEA qui ont même pris la parole et qui t'ont exposé, dit ça, pensé de situation de crise qui a traversé le pays d'Haïti. Nous avons beaucoup de plaisir aujourd'hui pour nous accueillir dans le local La Voix de l'Amérique, Gessle Singer, qui est un bon ami La Voix de l'Amérique, et je ne peux pas saluer Gessle sans pas saluer tout. Blaise Peterson, qui sont l'autre ami, un confrère de la presse, qui toujours les mêmes branchés sous VOA Créole. Merci pour tout l'autre monde qui t'a prêté nous attention yo. C'est un plaisir pour moi tout même dit Jean-Robert. Merci les mêmes qui t'a kembé et derrière non et ben merci tout. L'autre information que nous porter pour nous aller directement dans dossier président sénégalais les mêmes qui présenté des madame les bien après présentation des femmes ça à côté une à droite une à gauche président sénégalais et bien en pile monde a fait débat et puis m'a dit est-ce que à cause des président Faye les mêmes qui gagne des madame là ça fait pays à les mêmes li gagne des premières dames dans transition et bien Sénégal c'est un pays en Afrique là. Attendez ça bien ça n'a pas d'oula. Pays Sénégal c'est un pays africain. Nous pas dire seulement non. Et bien les mêmes qui acceptent que un garçon ou capable marier avec plusieurs femmes, ça crée polygamie. Et bien des fois vivre au Sénégal ou capable marier avec plusieurs femmes et ça pas simple. C'est selon constitution avec l'autre loi dans pays Sénégal les mêmes qui autorise ça. Non première dame non les mêmes n'ont pas existé. Pour parler de madame président eh bien yo utiliser épouse conjoint président qui donc président Adama Barrow Brice lui-même Oligu eh bien yo même avec ancien président Jacob Zuma eh bien c'est quelques polygames qui gagnent dans zone Afrique là qui donc c'est pas un problème c'est pas dossier première dame qu'il taille lui-même yo relé épouse ou bien conjoint président qui donc dit mesdames ayo là c'est madame président mais selon loi qui gagne dans constitution Sénégal là selon constitution avec l'autre loi dans pays ça qui gagne plusieurs lois et bien qui pas un problème parce que pas gagne première dame sinon il ta première et deuxième dame sinon c'est plutôt c'est madame président Sénégal là mais c'est lui-même qui présente des femmes dans pays pas nous l'on est pas avec des femmes comme ça et bien grand pile par en pile qui fait là fait comme quoi et bien ou Sénégal qui t'a géré ti bagaille gangan parce que dossier des madame à la fois et bien il presque monde là même yo parler servi avec dossier ici là et bien dans pays Sénégal c'est la loi c'est selon constitution yo même nèg qui capable gagner plusieurs femmes capable marier plusieurs femmes à la fois yo pas reler dans forme pas nous nous même sinon yo reler polygamie et dans pays là ou bien dans plusieurs pays en Afrique là déjà gagne Adama Barrow Brice yo même nèg ça yo monde qui te fait partie ancien président Jacob Zuma et bien c'est quelque polygame yo même qui te gagne dans continent Afrique là côté qui paroi bagay yo même chaque continent yo même yo gagne coutume paroi aussi tout chaque pays yo capable dans même continent et puis ou croiser yo chaque yo même sous différentes voies et bien c'est le cas des pays Sénégal lui même qui fait bagay ici là et bien nous pote éclaircissement sur dossier ça pour et bien c'est pas question des premières dames et c'est un pays qui bail droit nèg la lui-même li capable marier avec plusieurs femmes à la fois qui donc toutes ces madame mari c'est pas quoi la caïno une mamzelle une madame mariée puis toutes ces madame nèg yo capable faire ça yo voulez dans dossier qui gain pour avec marié avec plusieurs femmes nan la loi autorise yo nan pays si la en Haïti journée 3 avril là qui sont passé à la et bien qui marque plusieurs date de l'histoire nan pays si la côté n'a faut connait cette date tout nèg yo tétouyé Jean Dominique les mêmes qui c'est un gros journaliste haïtien qui était venu avec journal en créole qui était une parmi journalistes qui était venu avec journal en créole nan pays d'Haïti et bien Haïti 3 avril là toujours le dernier une date symbolique qui marque journée nationale mouvement femme haïtienne par rapport avec yon kokin chaîne rassemblement qui te prend naissance en 1986 exactement ça gagne 38 l'année avec un jour là et bien côté depuis plusieurs milliers de femmes te prend la rue et puis marcher pour être capable réclamer droit après régime Duvalier lui-même li te fin tombé c'est militant défenseur droit monde Daniel Magloire lui-même
qui présenter ça dans cadre divers travail scientifique li produit n'a noté tout Magloire lui-même n'était participé dans lancement gros mouvement cela qui pour te faire respecter droit femme dans date qui était 3 avril 1986 et bien rappelons sous mouvement Divalia et bien femme haïtienne eux-mêmes yo pas gagné trop droit dans dossier qui gain pour avec droit des femmes qui viennent prendre monde là et bien majorité pays pour quoi là eux-mêmes femme yo ta gagné plus droit passer garçon yo Fanfan c'est non un chauffeur camionnette même qui mouri dans un accident qui fait environ 9h environ jeudi à là qui c'est 4 avril 2024 l'information que nous venons faire quoi que c'est un trailer qui t'a passé prend pendant lui même l'étape descendre camionnette lia et bien dans zone Carrefour aéroport et bien tout moelle tête lui même ni sorti et l'été toujours à terre tout vrai des 3h dans l'après-midi côté en pile monter lancer SOS pour juge de paix a vinn fait constat et bien lever cadavre là et bien trailer lui-même l'état aller et bien parmi famille fanfan lui-même il rapporté il était à peine marié fanfan lui-même c'est un jeune garçon qui gagne 33 l'année seulement sous tête Trele a fin passé sous lui et bien Trele a tout l'été là c'est bot il pas traité et famille t'a relé pour juge de paix vienne fait constant un jeune garçon qui fait mari et bien l'icibi accident c'est là côté l'arrivée perdit la ville action qui passé et bien avant mardi 2 avril 2024 la nèg examen était attaqué plusieurs caïbi volé diverses machines et bien dans des villages ça eux-mêmes qui trouvé dans Clessine commune Taba habitant dans zone ça à vivre dans la pérèse pour jusqu'au n'y a là bandi continuer attaquer village Tessina avec Théodat dans Clessine tout pri base bim nan sep man ap jere pou nèg yo pa pran yo men yo menm yo pa met pye yo a tè tout pou yo ta kapab ede population an jwenn yon ti sekirite nan pral nan denye jou sa lwa pepit yon vil et bien police nationale d'Haïti a yo menm nèg yo serre tèt yo yon fason pou yo wè comment yo te kapab jere pi yo pour eux-mêmes yo pas prendre en pèlin bandi yo mais ça qui gien pour avec dossier aider peuple la jeune sécurité et bien grand pile zone là c'est bandi yo même qui gien doit gien un petit touché que yo quitter peuple là tranquille mais pas gien dossier police nationale là lui-même cap assurer peuple la sécurité gien petit coin qui accès via fait circulation fouiller moun fouiller machine pardon pour ressortir mais gien zone là bandi yo contrôlé yo avec 100% bandi yo tout yo même d'après ça directeur général bibliothèque là lui-même li fait qu'on est dans journal AFP et ben nèg examen yo même yo porter aller plusieurs meb et puis ça cage génératrice institution DGA fait qu'on est gien une série de documents importants qui là depuis plus passé 200 l'année et bien qui risque bouler ou bien qui dégrader dans attaque nèg yo fait sur bibliothèque nationale là bandi yo même yo sans foi yo sans loi même les nèg yo t'a parlé de révolution peuple a déjà elle pas révolution mais dossier qui vient pour avec attaque archive nationale pays à bibliothèque là qui gagne en pile ancien bon document là-dedans yo nèg yo même yo t'a supposé respecte yo bagay ke nèg yo même yo pa fè yo kontinye attaque yo paske Malory li même li fè konnen nan yon prêche ke li tap fè et bien li pa normal di tout pou yon paquet corrompi drug dealer gangster avec vacabon ki fè peyi a mal deja k ap participe nan décision important yo pendant li même li tap prêche nan yon service évangélique ki li tap fè nan mardi ki sot passé la paske li même li te di li pa d'accord avec causé conseil présidentiel transition 7 membla et bien majorité Haïtien continue à dire non avec conseil si là qui ouais qui conseil là li pa gen aucune solution li même li capable porter pour pays et bien pasteur Malory li fait partie moun yo même k'ap mandé pour tout pasteur haïtien qui Haïti ou à l'étranger pour mettre ensemble et puis pour proposer une solution pour pays si yo ta rel te capable bon mais est-ce que nèg ki corrompi sa yo même yo pral d'accord li pa facile du tout pour nèg yo même qui déjà sale nan pouvoir et n'a rappel tout tout mouvement qu'a fait là et bien son mouvement pour nous venir en deuxième version Ariel Henry parce que majorité monde pouvoir c'est la valas mété avec Ariel Henry c'est eux même qui continue là à tendre nation pour eux même yo capable continuer sous ces mamelles là et n'a rappelé tout conseil cette tête ça plus DA et bien majorité là-dedans c'est PM là yo même c'est monde qui fait partie pouvoir là qui t'a là-dedans malgré grand pile voye pied
qui par jam vin fait vrai côté yote pas retiré pour te nommer jodi à la te supposé installation. Et bien c'est toujours Nad Marinade pendant plusieurs temps passé puis devant nous pral fort tandis Listen Duel li ou le même qui c'est un journal dominicain et bien qui rapporté en pile détail et tout ça li ou c'est vérité sous ka pays d'Haïti. Pendant temps ça n'a faut qu'on ait te gagne un rencontre qui était fait qui était organisé jour qui était mardi 2 avril là ambassade des pays les États-Unis li même li dit que pays États-Unis rete déterminé pour renforcer capacité police nationale d'Haïti à travers si pour bureau affaires internationales cap bataille contre trafic drogue prévention avec répression. Et bien c'est ça ambassadeur lui-même li te fait connait qui c'est n'a rappelé tout c'est un nouveau ambassadeur pays les États-Unis li gagne en Haïti qui c'est Denis Ankis lui-même li rencontré avec directeur général PNH là qui c'est France LB pour un pile monde là qui faillit dans mission qui pas fait rien vrai pour peuple là. Et bien fait connait États-Unis li toujours sous dossier Haïti à côté yo même yo déterminé chaque yo déterminé. Et bien nous même par mesi n'a plongé puis fond n'a faut connait ministre affaires étrangères haïtien le même qui c'est Victor Généis. Et bien li blâmé sévèrement Dominique Dupuy ambassadeur permanent Haïti dans UNESCO et bien ministre affaires étrangères lui-même li reproché ambassadeur pour violation article 77 dans arrêté 11 avril 2013 là qui définit règles de déontologie lui-même qui appliqué pour un agent fonction publique yo d'après lettre ministre là lui-même li écrit au bay ambassadeur li dit li étonné parce que Dominique Dupuy t'a accepté faire partie conseil présidentiel là sans li pas mettre supérieur li au courant. Jean-Victor Genèse dit li espérer l'aide blâme ça a aidé ambassadeur lui-même changer comportement li l'aide ça lui-même l'a prêté attaché dans dossier li. Et bien ministre des affaires étrangères là qui s'est blâmé sévèrement Dominique Dupuy n'a pas Dominique Dupuy lui-même li était à représenter parti aidé à lui-même dans dossier qui gain pour avec dossier conseil présidentiel là. Et bien après quelques temps passé là l'assemblée t'a mettre l'autre dans les conseils. Et bien c'était lui-même qui était seule femme et lui-même tout le pas première femme te déjà gon l'autre femme qui te prend place là avant. Et bien nèg yo semble pas entendre avec Dominique Dupuy. Et bien il était retiré participation bien rapide dans une vidéo qu'elle t'a publié fait qu'on est pas d'abrale. Et bien ça pas nécessaire pour Jean-Victor Généis lui-même qui c'est ministre affaires étrangères haïtien li voye blâmer. Et bien Dominique Dupuy qui c'est ambassadeur permanent Haïti dans UNESCO assemblée qui te prend décision si là selon ça ministre affaires étrangères fait qu'on est sans lui-même li pas mettre au courant et bien chef li ou bien en tête li lui-même qui gagne pour louer avec dossier qu'elle t'a doclé de tout ça qui t'a passé. Aol Jean c'est un non jeune garçon lui-même qui t'a milité dans parti politique PHTK. Et bien il s'est arrivé tombé en babal hier soir sur route Boudon nanté gagné. Et bien Piba Biro étude noté séant. Et bien pourquoi il est là victime dans lui-même il t'a viré sous moto li dans zone côté li levé tout près côté habité bon c'était 30 dans l'après-midi. Et bien c'est allé ça nèg examen même il t'a attaqué et bien fusil. Et bien t'a gain pile cartouche qui t'a tiré piwa pendant il était sous moto lui-même il t'a rentré la caille yo fusil c'était moyen yon proche. Yon proche victime si la à Orléans, c'était messager dans compagnie assurance NASA qui sur route canapé VA. Et bien 28 avril k'ap vini là li même li t'ap bay à Orléans yon affaire de 35 l'année mais li pa getan wè date ça li mouri ki te 3 piti. Pourquoi li là chaque jour k'ap passé n'ap pèdi yon monde ki pi important et surtout ces jeunes garçons ke yoyé yon même yon continue à perdre la vie en mauvaise condition dans dossier insécurité à lui même qui a valé terrain dans pays d'Haïti. Université Port-au-Prince yon centre enseignement universitaire privé dans capital pays d'Haïti annoncé li fermer porte li jusqu'à ce que l'état sorti yon l'autre note pour li di la redémarre à cause coup de physique qui pas suspend chanter dans capital pays a. Et bien depuis plus passé yon mois là et bien sans camper li fait qu'on est ça nan yon note qui sorti et bien qui daté le 3 avril 2024 là c'est pas première fois université qui ferme porte li nan département l'ouest pays a. Et bien sous 10 universités nous té capable parler de yo et bien pas même gen 3 cap travail. Et puis depuis 29 février 2024 là programme Biden nan li même avec Zack kidnapping ça déjà
démantibler l'école classique avec l'université, ça qui nous-mêmes, nous déjà qu'on est là, un pays sans université, sans l'école classique, sans l'hôpital, pas un bon pour lui, pourquoi il est là, pays nous allons tomber. Nan côté qui pi mal là sou pa fait bati moun ka vive nan province et bien l'école université de Haï Port-au-Prince qui te déjà gagné plus fort nous capable parler de quelques bon naïve quelques bon l'école qui gagné pays li même l'a fait face avec pi mauvais moment nan moment n'a vive là et bien pays li pa gagné moun qui a fait cerveau pa gagné moun ka apprendre rien et bien pays a pas fait sans cerveau tout n'a pas pa gagné aucun pays qui a fait sans cerveau sans expertise même jean pays yo même yo pas fait sans métier manuel yo quoi il là pour ba dossier qui gagné pour avec dossier cerveau ou bien pour nous même prendre connaissance là et bien nous pas dans ça dit tout là dans pays d'Haïti parce que dans dernier jour ça là pays là même là le font pendant temps ça conseil présidentiel là même causer conseil présidentiel c'est là les mêmes li sorti pour bail pays à boule et bien c'est comme si m'ta dou même Jean grand monde qu'on dit les wap fait parle en pile tant qu'on ti moun et bien conseil là li sorti pour le faire et pas ti moun n'est pas grand monde qui bail boule sinon mais y haïtien boule ça va gagner plus passer 15 jours là gagner yon seule chanson en Haïti conseil présidentiel neuf tête. Pourtant c'est pas jam pour té bagay qui concret pour moun ta pas connait pays al même li pral gagner soit disant qui pral diriger pour résoudre divers problèmes la traverser là yo même qui c'est insécurité généralisée complètement et bien chômage grand goût crise sanitaire et la trier c'est bilan pays d'Haïti ça la vive dans dernier jour ça là et bien c'est fil à langue conseil c'est là lui même l'a fait tout monde fait peuple haïtien ou ta dit c'est nan bêtise acte politique yo même yo mêlé avec yon international qui bluffé passé qui et bien y a passé tout pays a nan bêtise côté moun kap fè politique en dedans pays ça yo même yo sans colonne vertébrale c'est complètement sans colonne vertébrale sans figi ayer soir qui sout passé là yo te fin pour mettre conseil des ministres pral nommé moun kap fè pati conseil président yo même et puis pour te publier non yo nan journal officiel pays a que c'est le moniteur et bien après ça installation yo même yo t'a pral fè tout suite et bien jusqu'à minute n'a pas là on a enregistré vidéo ça là nous pa konn l'on pral tande là ou même si conseil la tag est en fait et bien jusqu'à minute n'a enregistré vidéo ça là et bien c'est comme si m'ta dou c'est toilette rat de bret kap fè et gon conseil trois têtes est-ce qu'il ca dit lui même libre l'huile par rapport de Moïse Jean-Charles qui te conseil ça qui t'a promoté 5 mars qui t'est signé c'est conseil Guy Philippe là-dedans et ben nous pas qu'on ça le tourner et ben ça neuf têtes là même l'envie boire l'huile là tout et ben cour cassation même si ou paraît devant zone ça dans zone côté gain la cour de cassation et ben ou capable sortir tout sous tellement gain coup de balle cap tirer même si divers monde dit ou même yo pas wè nan ambiance conseil carré comme nan les mêmes l'étape à installer à cause gang criminel ça yo même qui manger comme si c'est nèg qui manger gep tellement nèg yo méchant et bien manger tout monde braqué sur tout politicien yo même qui la cap bay peuple là poto sans arrêter nèg pouvoir yo même y a fait la ligne et les boutons et bien l'assassin y a fait tout dans caisse l'état nous déjà connait nèg qui kembe ça si tout ministre bois avec kembe de facto connait le pas grand pile temps et bien tout ça qui va rentrer dans caisse là là ta là va attendre le pied 100% rien pas arrêté parce que si on va faire conseil l'assassin qui a fait caisse l'état dans nèg yo traîner pied pendant souffle tout monde même a fin couper n'a prend aucun espoir pour pays nèg y a tant conseil pour l'installer pas gain autre conseil vrai qu'a fait tout conseil ou dans des cap installé rien pas sur pour le fait et bien qu'est-ce là le même li en bas mené yo côté yo même yo là y a souci y a déchet pied y a fait tout ça yo même yo ta gagné pour yo faire n'a rappelé tout quand pile monde tout qui fait connait li important pour monde qui ta gagné monde qui a vivant pour monsieur ta commune Port-au-Prince pour même yo ta baille là yo ta font tikité zone Port-au-Prince là al prend refuge dans ville province et yo ta souhaité tout monde qui a vivant en province qui gen femme ou Port-au-Prince s'il ta rentré même les vie a pas de bon avant mais ba yo bon accueil yon façon pour ta aider sauver pour en pile monde yo même yo fait connait li ta yon bon idée pour moun yo kite Port-au-Prince dans dernier jour sa yo là parce que pa gagne de pouvoir ka régler nèg exam yo continue à avancer et bien yon moun ki ta pi yo les sauver parce que vie al pi bon que tout sou ta gen famille ou Port-au-Prince et bien li ta important pour ta kite capitale là ou même
pour traverser à la province tant si ta gagne on vit recommencer et bien ou ta tourner dans capitale si là yon l'autre information n'a faut connait gouverneur Floride là monsieur pas on j'ai pas semblé fin bon monde non monsieur pas semblé il gain bon lait avec migrant et bien monsieur lui-même qui c'est Won 206 et bien il déclarer programme humanitaire Joe Biden gagnant ou bien visa Biden dans lui-même c'est un programme qui complètement illégal d'après une étude fait et bien l'idée a une plus passer 300 000 immigrants inclus haïtiens qui rentrent dans pays les États-Unis surtout à travers Floride lui-même qui c'est état par la dirigea et bien le fait qu'on ait que programme Joe Biden là c'est un programme qui complètement illégal c'est ça gouverneur Floride là les mêmes qui c'est Ron DeSantis c'est ça monsieur les mêmes il fait qu'on est jodi là une autre information que nous porter pour il y en a faut qu'on est République Dominicaine là eux même pendant nous gain des milliers de morts qui déjà fait et bien selon liste mondial yo il fait qu'on est pour année 2024 là la République Dominicaine déjà reporté au moins 39 cas moun qui déjà mouri ka yo touyé 39 moun en République Dominicaine côté eux même yo action ça a passé dans divers points dans pays à côté dans comparaison avec année qui s'est passé à là à côté total ça lui-même il diminué selon ça registre police nationale république dominicaine dans li bail il a analysé données qui sont de 1er janvier à ta kounya là qui ce moment n'a pas la voilà là il observé que mois février lui-même il était moi qui plus violent côté il était gagné un total de 19 monde qui ont été tué et bien mois janvier lui-même il était déjà gagné 8 monde qui était mort et bien pour moi mars qui s'est passé là tout et bien pour arriver 29 mars là 2024 là institution elle-même lui joindre yon affaire de 40 de 39 moun pardon qui mouri en République Dominicaine et bien selon média en ligne République Dominicaine là qui c'est Dialio Libre il fait qu'on est vendredi 29 mars qui s'est passé à l'institution te bay l'autre côté yo te détecté qui gagne dans pour 22 premiers jours mars yo te gagne une réduction des total moun yo touyé et bien qui te vinn pour chaque 100 habitants dominicains et bien gagne on a fait de 8.01% et bien qui te comparé avec même période ça dans année 2023 qui te qui gagne on a fait de 13.02% qui situé en bas caillou même qui fait en République Dominicaine et bien c'est pas seulement pays d'Haïti qui gagne dossier nèg ap touye nèg moun ap touye moun en République Dominicaine gagne tout mais qui nettement différent par rapport avec panou yo même k'ap fait nan pays d'Haïti l'estendial yo toujours li toujours sorti l'autre information qui gagne pour avec dossier pays d'Haïti yo sorti tout sous forme et bien n'ap gagne pour nous t'apporter ça sorti sous forme haïtienne k'ap fait petit en République Dominicaine nan nan prochain édition nouvelle qui n'a porté pour éditorial République Dominicaine jodi a la listen dial yo la gay on bon côté li fait qu'on est tout temps l'ONU dit OEA dit UNESCO dit CARICOM dit Union européenne dit et bien selon éditorial ça listen dial yo dit fait qu'on est toute organisation ou bien pays yo même yo fait qu'on est gain quelque type de solution qui t'a droit à gagner pour pays d'Haïti pendant yo dit tout yo gain préoccupation des crises qu'a traversé pays d'Haïti a et bien yo dit qui urgent et bien qui t'a droit gagner une intervention yo dit problème non c'est pas tout jour qu'a passé si tout ça caricom n'a faut qu'on est jour a passé yo dit tout rete même gens pas gain rien qui fait et donc yo dit nada pas fait selon ça situation Haïti a là li pas capable supporter encore c'est pas dossier lettre c'est pas dossier déclaration c'est action gens qui manque c'est ça journal dominicain les même li publié yon parti que nous faut attendre et yon même yo toujours a bay inquiétude que yo gagne sous situation qu'a traversé pays d'Haïti a là côté yo fait connecter les même li nécessaire pour international là yo même yo t'a pressionné haïtien ou bien pour lancer un vraiment dossier sous table là pour capable gain contrôle ça qu'a fait là et bien dominicain yo même yo fait qu'on est yo t'a doit toujours conduire relation que yo même yo gain avec Haïti a mais laisse pas accompli a dit les nous pas marcher et bien yo capable pour yo gain droit pour yo capable prendre leçon morale et bien pour y aller à l'en sauver et bien pour yo wè ça qui ka fait ka bon pour yo qui veut dire nous toujours tourner yon problème pour yo selon journal listen dial yo qui publié
éditorial ça lui-même que yo fait sous pays d'Haïti bagaille yo paraît clair chaque jour gain action k'ap di CARICOM débat 48 tête dans pour conseil kounya nous pral nan moi conseil. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on va aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là. Eh bien ou pas regret même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger. Eh bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a pas dit au revoir tout le monde. N'a pas revu encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.